Bonjour, 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 bonjour à tous. Nous allons bientôt commencer. Allons pouvoir échanger sur la candidature commune de tous les partis politiques, de tous les opposants. En tout cas, il y a ce qu'on appelle les poids lourds. Aujourd'hui, nous connaissons le nom de la personne qui aura la tâche, la dure tâche de porter l'espoir du peuple congolais. La personne qui a été désignée pour s'exprimer au nom de toute l'opposition, au nom de nous tous, qui va faire campagne pour l'intérêt de tous les Congolais. Et cette personne qui a été choisie, c'est Martin Fayulu Madidi. C'est la personne que moi aussi j'avais choisie, puisque cette personne m'a permis d'être sur la liste de sa plateforme DO, Dynamique de l'opposition. Donc, c'est une surprise pour beaucoup. Certains pensaient que ça allait être Félix, d'autres Vital Kamerhe. Mais finalement, je crois que le consensus a été Martin Fayulu. Moi, je voudrais dire ici à certains de mes frères, Martin Fayulu a toujours été du côté de Tshisekedi depuis les années 80. SID, le parti de Martin Fayulu, a toujours été à nos côtés dans tous nos combats. Nous avons toujours travaillé avec l'SID de Martin Fayulu. Et Martin Fayulu a été aux côtés du président Tshisekedi jusqu'à sa mort. Donc c'est un compagnon de lutte, c'est un grand frère, c'est un homme d'une probité morale sans précédent. Donc le choix de Martin Fayulu, je l'applaudis et je le réapplaudis. C'est un choix de raison. Martin Fayulu est un véritable leader et je pense que il va véritablement nous amener là où nous voulons aller. Donc, je félicite vraiment la victoire de cet homme. Et je profite pour échanger avec certains de nos frères, Kennedy, boxe anglaise. Ma mère ne connaît pas Martin Fayulu. Personne ne le connaît au Congo. Tu te trompes. Martin Fayulu a commencé la politique depuis les années 90. Il a même participé à l'époque la première fois en 1992, le premier accord tripartite qu'il y a eu entre les Congolais, le nom me reviendra tout à l'heure, mais déjà à l'époque, dans les années 92, il était déjà de l'opposition. Après, il a été dans la vie civile, il a fait ses activités, il a évolué, et puis il est rentré un peu plus durement dans l'opposition, toujours à côté de Tshisekedi. Avec son parti, le SID, qui a toujours été, ils ont montré la dynamique de l'opposition avec un ensemble d'opposants. En toutes ces années, tous les gens qui étaient autour de lui, tous les autres opposants, pour la plupart, sont passés de l'autre côté, sont avec le gouvernement, sont avec le pouvoir aujourd'hui. Seul Martin Fayulu était resté avec l'opposition. N'oublions pas que c'est lui qui a initié en 2015 cette manifestation pour le 19 janvier 2015 pour empêcher qu'on mette dans la loi électorale le recensement qui allait retarder les élections pour encore 5 ans. Donc c'est un homme du peuple, c'est un soldat du peuple, il est sur terrain. C'est l'un des seuls opposants d'ailleurs qui a pris une balle au visage, je ne sais pas si vous l'avez vu, en 2000, en septembre 2016,
Il a pris une balle au visage, il avait un visage qui était comme ça. C'est le seul. Donc c'est un homme de terrain, c'est un homme aguerri, c'est un homme de conviction. Et je pense qu'il sera un très, très, très bon président de la République. Donc je profite véritablement pour louer le leader que nous avons choisi, le leader que s'est choisi l'ensemble de l'opposition, le leader du peuple congolais. Ceux qui ne le connaissent pas gagneront demain à le connaître. Voilà. Martin Fayulu, oui, effectivement, Tata Tatiana, c'est un homme de valeur, hein. Et je ne vois pas en quoi, comme certains disent, que c'est le jeu de la Kabylie. Les leaders, ils étaient sept. Félix était là. Bemba était là. Moïse Katumbi était là. Vital Kamerhe était là. Matungulu était là. Donc je ne vois pas, c'est le jeu de qui. Si ce sont eux qui devaient décider de la personne. Donc on ne peut pas accepter les règles du jeu et lorsqu'on ne retrouve pas son candidat ou la personne que l'on voulait, on ne joue plus le jeu. Non. Le jeu est ouvert pour tout le monde. La candidature commune, ça veut dire que chacun d'entre nous se fait violence et accepte d'œuvrer d'abord dans l'intérêt du pays, d'abord dans l'intérêt du Congo. Il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas un intérêt de personne individuelle. C'est l'intérêt du Congo, c'est d'abord le Congo qui passe avant tout. Donc, étant donné que l'intérêt numéro un, c'est l'intérêt du Congo, on a choisi une personne qui fait consensus. Aujourd'hui, c'est Martin Fayulu, l'homme que l'ensemble des opposants ont choisi. Donc, nous tous, en tant qu'opposants, on se met derrière Martin Fayulu et on va le soutenir et l'amener jusqu'au 23, à la victoire finale. Voilà. Donc, la campagne peut déjà commencer. Elle a déjà commencé. Il faut maintenant que nous nous soutenons, que nous restons soudés et que nous continuons à œuvrer pour que ce monsieur devienne la personne qui va remplacer Joseph Kabila le 12 janvier. Voilà. Distraction, c'est inutile d'aller voter. Mon ami, si tu ne veux pas aller voter, reste chez toi. Ah oui, j'avais oublié tout à l'heure, Martin Fayulu était déjà au CNS, Commission nationale souveraine. Voilà. Le président Fayulu accepte d'aller aux élections avec la machine à voter. Quelle sera la réaction des combattants de l'opposition? Tout le monde doit se mettre derrière Fayulu parce que si les combattants on respecte leur président, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, et que Félix Tshisekedi se met derrière Fayulu, il n'y a plus à discuter. Si ou vous respectez votre chef ou vous ne respectez pas. L'objectif, c'est le Congo. Si Félix Tshisekedi dit qu'il est derrière Fayulu, on est tous derrière Fayulu. C'est clair. Le jeu, et si hier, Fayulu avait dit que, enfin, si aujourd'hui c'était Félix qui avait gagné, que Fayulu avait dit on est derrière Félix, vous aurez dit quoi? Non, les règles du jeu sont simples. Ils se sont réunis pour choisir une personne. On ne pouvait pas en choisir 10, on ne pouvait pas en choisir 4. La personne qui a été choisie, c'est Martin Fayulu Madidi. Je pense que ça sera lui le prochain président de la République du Congo. Un homme, je répète, d'une probité morale avérée, certaine. Un homme droit, un homme de conviction. Voilà. Il ne court pas après l'argent des gens. Il gagne bien sa vie et il se bat réellement pour l'intérêt du pays. Donc c'est ce type-là que j'ai toujours soutenu, que j'ai toujours suivi. Je fais partie de sa plateforme. Il m'a donné ma chance. Il m'a soutenu. Et donc, on va aller jusqu'au bout avec cet homme. Si vous ne connaissez pas Martin Fayulu, il faut vous renseigner. Rentrez sur Internet, regardez ses vidéos et vous verrez. Bien sûr, mon cher François Mboukou, le choix de Fayulu est un choix de consensus. Est-ce que vous pensez que la Kabylie, lorsqu'on a choisi Chadari, ils étaient contents? Non, tous les autres pensaient que on allait choisir Minaku ou je ne sais qui d'autre. Mais finalement, La personne qui a été choisie, c'est Chadari, c'est de l'autre côté. Alors de notre côté, nous avons choisi Fayulu. Donc tout le monde va œuvrer, va se battre demain pour que la personne qui arrive à la tête de notre pays, ça soit Martin Fayulu Madidi. Voilà.
Oui, c'est. Je respecte ceux qui pensent que Shadar il va gagner Fayulu, ça c'est votre choix. Nous, notre choix, c'est Fayulu, on va aller jusqu'au bout. Bonjour, Gracia Tungwa. Kimbuta est devenu gouverneur à cause de. Si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de Kimbuta ici, on parle des élections présidentielles. Si vous avez le temps à faire de la distraction et à vous amuser, ça vous regarde. Moi, en ce qui concerne le Congo, c'est une affaire sérieuse. J'ai pas le temps de m'amuser ou de rigoler comme vous êtes en train de rigoler. Bien sûr qu'on doit être l'ondolé blanchard. On doit être fier de nos opposants. Ils ont réussi à trouver, à se mettre d'accord sur un candidat. Combien de personnes étaient sûres que les opposants congolais allaient choisir une seule personne, allaient se mettre derrière une seule personne? Même la majorité, les kabylistes, vous ne voulez pas qu'il puisse y avoir une seule personne. Leur objectif, c'était qu'il y ait une division au sein de l'opposition. Aujourd'hui, on a une personne. C'est déjà une grande victoire. Tous, ils sont mis derrière un individu. Ça fait 4 jours qu'ils sont là à discuter. Vous pensez qu'il n'y a pas des accords qui ont été faits? Donc, le consensus a été sur Fayulu. Restons sur Fayoulou, soutenons Fayoulou. Il est des Bandundu, il est du Palus, ça c'est des bêtises. Arrêtez les distractions ici. Allez voter. Quelle morale, tu me dis Kimbuta est devenu gouverneur à cause de lui. Le choix de Fayoulou est le choix judicieux. Bravo les opposants. Neville, je partage totalement. À un mois des élections, là je suis d'accord avec toi, Betty Mwamba. On a mis trop de temps. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons jamais pu communiquer avant aujourd'hui, parce que nous étions tous dans l'attente d'une candidature commune. Parce que vous imaginez, par exemple, si on avait commencé à faire depuis le mois de septembre la candidature pour un individu, et puis aujourd'hui on se rend compte que le 11 novembre c'est pas lui. Donc on se devait tous d'attendre, et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps. Depuis le 19 septembre, on aurait dû déjà avoir le candidat commun, parce qu'on avait déjà la liste de ceux qui étaient validés, de ceux qui étaient invalidés. Mais bon, vous connaissez le Congo et sa lenteur, ça a mis tout le temps que ça a mis, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons 1 mois pour faire la campagne présidentielle, accoupler des législatives, accoupler des provinciaux. Donc moi, je me présente à la députation nationale pour le Mouamba, le candidat 232, bien sûr dans la plateforme de la dynamique de l'opposition avec Martin Fayoulou. Et j'avais déjà pressenti que c'était un homme de valeur et un homme qui va amener le Congo vers l'avant. Donc il faut le soutenir dès à présent. Et j'invite tous les amis de l'UDPS, de tous les tshisekédistes, tous les amis de tous les autres partis politiques, les gens qui soutiennent Bemba, les gens qui soutiennent Katumbi et les autres, à se mettre tous en ordre de bataille. Ne parlons que d'une seule voix, communiquons tous dans un seul sens pour notre candidat. C'est le candidat de tous. Ce n'est pas le candidat d'un parti, ce n'est pas le candidat d'un village, ce n'est pas le candidat d'une tribu, c'est le candidat de l'opposition congolaise. Réfléchissons nation, parlons nation, parlons pays, parlons république et arrêtons de parler village, arrêtons de parler province, ayons de la grandeur, ayons de la grandeur. Franchement, qui va voter Fayulu? Moi. Encore. C'est une bonne chose que Dieu désigne une candidature commune. Que Dieu bénisse le Congo. Personne ne l'a vu venir, Nancy, c'est vrai, effectivement, mais il est bel et bien là. Et vous avez vu que nous autres qui étions dans les coulisses, on l'avait déjà vu et aperçu comme un futur président. Voilà pourquoi. Très tôt, nous avons commencé à le soutenir et nous pensions déjà que c'était un homme qui avait de l'avenir et que le Congo, avec cet homme-là, ira de l'avant. Voilà pourquoi nous sommes derrière lui. Ah oui, c'était Hervé de France, c'est un homme de valeur. Effectivement, c'est un homme de valeur, un homme que je soutiens depuis très longtemps, mais qui a déjà démontré depuis très longtemps que il œuvre d'abord pour le Congo. Mikengela, Tote, bravo aux opposants, effectivement. Dieu soit loué. Inch'Allah, Marco, que je le devienne.
Donc, non, on se bat vraiment pour que les choses aillent de l'avant. Donc voilà, je pense que l'essentiel est dit. Donc, mes félicitations à toute l'opposition. Mes félicitations véritablement à la classe politique congolaise. Il y aura toujours des insectes, des haineux, des gens de mauvaise foi, des gens qui n'aiment pas leur pays ou des gens qui ne mesurent pas l'ampleur de là où nous étions par rapport à là où nous sommes, des gens qui vont privilégier d'abord les intérêts personnels, les intérêts de leur petit village, les intérêts de leur petit ventre, les intérêts privés par rapport aux intérêts nationaux. Donc moi, je félicite ce soir Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Matungulu et Mbusi Nyamwisi, je crois que lui aussi, et Martin Fayulu surtout, pour s'être mis d'accord, de s'être fait violence et d'avoir choisi un seul homme pour être le candidat de toute l'opposition et de pousser cet homme-là pour que lui devienne le président de la République. Nous sommes tous derrière Martin Fayulu. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour sa victoire. Donc, vive la République démocratique du Congo, vive la dynamique de l'opposition et vive Martin Fayulu Madidi, qui est aujourd'hui le candidat de l'opposition. Merci à vous et bonne journée.